quels sont les arguments que tu as retenus pour accueillir François sur ton exploitation ici à Brest? Pourquoi je l'ai pris? Parce que il est venu tout seul, il est venu me voir, il avait que 15 ans à l'époque. J'ai trouvé sa démarche pour son âge très 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 bien quoi. Déjà, c'est pas ses parents qui sont venus me voir, c'est pas ses professeurs qui sont venus me voir, c'est lui. Lui, donc j'ai senti quelqu'un de motivé. Quoi. Donc ça m'a motivé de le prendre. Voilà. Dans l'agriculture, on manque de bras. On va manquer de bras surtout. Quand on voit que je crois que le nombre de salariés agricoles ont dépassé le nombre d'exploitants. Ouais, c'est vrai. Donc on aura besoin des jeunes et voilà, donc il faut transmettre le savoir. Le métier ne vient pas comme ça du jour au lendemain, il faut apprendre, on a des soucis tous les jours et c'est confronté aux soucis qu'on trouve la solution. Beaucoup de gens, de parents surtout, ont des clichés sur l'agriculture. Un salarié peut gagner correctement aussi sa vie dans l'agriculture en ayant des horaires adaptés comme son copain qui peut travailler dans une banque ou ailleurs. On a des heures bien définies avec des vacances et une organisation de travail très convenable comme n'importe quel métier en fait.